on liñu fi dajalé nak tanaka ñepp xam nañ liñ fi indi parce que yag nañ wañjanja yag nañ ñu xamé liñ ci yaat ak téggine ba taxna lolu mo law ba dem nañ ba gis que né légui nawlotuñ avec les têtes baissées le moral blessé que nous nous adressons à vous pour déplorer notre situation dans la commune de Fatick. Nous ne sommes pas vos ennemis, mais nous ne voulons pas non plus être des tricheurs. Notre long compagnonnage avec son excellence M. Macky Sall s'est soldé par une déception. Lolo waralon ñu woté won tay conférence de presse pour wax ci manque de considération bi nga xamné gis nañ ko ci mairie donc de ce fait biñi lampadaire ñëwé nak moñu mo gëna tax ñu gëna révolté wu parce que gis nañ né Fatick yeb lér na nañ ñu bo duggu sé ñañjaay nak da ngay faw né ñañjaay né bokku ci Fatick té buñu démé ci histoire fokk na né ñañjaay moy quartier gi ñëk ci Fatick donc considération normalement fi la waron ñëké bala tout mais gis nañ que né bo duggu sé fi amul lumière amul dara. Bon, nous avons dit à monsieur le maire, qui est au nom de Ndiaye Ndiaye, nous avons dit qu'il n'y a pas d'autre chose. C'est quoi? Si on a eu le temps, on a eu le temps, on a eu le soutenir. Donc, on a eu le temps, on a eu le temps, on a eu le temps. On a eu le temps. Mais vous voyez ce qu'on a eu le temps, c'est que Mme Dolle Onar. C'est l'occasion pour moi de les dénoncer. Ils n'ont rien fait pour le quartier. Je le dis, j'endosse et j'assume la responsabilité. Nous sommes rapprochés des élus locaux. Nous avons déplacé des délégations qui étaient parties au niveau de la mairie. Nous avons rencontré toutes les personnalités de la mairie, excepté monsieur le maire. Mais on a été très surpris parce que ces gens-là n'ont pas pris en compte nos doléances. C'est comme si il y avait deux Fatick. Le Fatick des gens qui méritaient le bien et le Fatick qui se limite à Ndiaye Ndiaye où il n'y a que des gens qui, en réalité, on ne pense qu'à eux que lorsqu'il y a quelque chose à manger. Nous n'avons pas faim. Au Dougoussé Ndiaye Ndiaye, l'assainissement de Dougoussina, nous avons vu notre pays. Les lampadaires, nous avons vu notre pays. Nous avons des nouveaux cités qui sont du côté CM. Nous n'avons pas. Batay dañuy dem roti ci téne yek ñom seen té né wax nañ leen pour ñu joxé xaaliss ngay ñew installer leen kenn ku nek joxé na 15000 francs keur o keur té batay gisunu dara donc matar ñing lay wax au nom du quartier ñun fimu nek ni moral nañ be fimu moral yam fimu nek nak vitin supérieur mo ñu déssé ñu ngi wax ak yow té moral ñu suñu wax bu féké ñu amuñu satisfaction dinañ jall ci leneen. Et si on a l'élection, si on est satisfait, il y a un leader qui est à l'APR qui ne peut pas être comme ça. À cause de la municipalité qui n'est pas à la hauteur de la mission que vous leur avez assignée, notre maire, en toute complicité avec les agents municipaux, n'a aucune considération vis-à-vis des habitants de Kamsaté. Et pour preuve, avant d'arriver à l'organisation de cette conférence de presse, nous avons entrepris des démarches pour éclaircir notre lanterne sur leur projet de développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique. En réalité, lorsque nos camarades ici présents étaient à la mairie, ils ont su avec désolation et méprise et surprise que Kamsaté ne figurait pas sur le plan des installations. Monsieur le maire Matarba, à l'instant, nous assumons amèrement notre déception dans toute sa lourdeur. N'est-ce pas vous qui aviez comme priorité d'électrifier la commune, y compris notre quartier? Si bien sûr, on se fie à votre discours lors de la campagne présidentielle de 2019, et justement, une année après cette promesse qui avait égayé toutes les populations de Fatick, l'occasion vous a été offerte. L'occasion vous a été donnée par le projet de développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique,
qui a doté la commune de 1000 lampadaires solaires. Est-ce que l'équité et le bon sens ne voudraient pas que ces lampadaires soient installés dans des quartiers comme Diangay, où, malgré la forte demande sociale, l'accès à l'électricité reste encore une vieille doléance dans un Sénégal émergent. Et qu'au même moment, d'autres quartiers comme Polga, Logandem ou Escal bénéficient plus de ces lampadaires alors qu'ils avaient déjà reçu la lumière de la mairie. À cette anomalie s'ajoutent les installations sélectives faites pour le compte de certains leaders. De facto, le collège CM3 doit être pris en compte, ainsi que toutes les maisons riveraines qui se situent dans une zone, dans cette même zone. Jusqu'au moment où nous parlons, frappés par une obscurité inquiétante. Comment pouvons-nous accepter que 1000 lampadaires solaires soient installés dans cette commune et que notre quartier ne puisse pas en bénéficier? Nous n'acceptons plus vos discours mielleux dont l'unique but est d'endormir la population. Nos cimetières, à l'instar des autres cimetières, doivent également bénéficier de ces installations. Ainsi, nous pouvons veiller sur nos disparus et prévenir toute idée de profanation. C'est le moment de préciser que le problème des lampadaires solaires n'est que la goutte qui avait débordé le vase. Nous pointons notre droit accusateur sur l'équipe municipale qui n'a cure de nos problèmes. Car en réalité, une bonne partie de notre quartier n'a pas assez d'eau. Nous faisons référence aux installations de la SDE, aujourd'hui devenue SENO. Voulez-vous bien, monsieur le maire, rendre service à quelqu'un qui, dans le silence de l'horreur, sont en train de se précipiter dans les jardins d'eau, à la quête de l'eau? C'est l'occasion ainsi que de nous revenir sur le problème des lotissements du quartier. À ce sujet, nous invitons la mairie à prendre toutes ses responsabilités pour effectuer cette tâche dans les plus brefs délais. Si le plan Sénégal émergent rime avec la modernisation du pays, il sera alors légitime qu'on s'interroge sur le problème d'assainissement de Diangay. Nos autorités ici n'ont rien fait pour le quartier. Ça, il faut qu'on le sache. Et ce n'est pas parce qu'on est proche qu'on va essayer de nous maquiller. Non, non. Loin de là. La vérité, rien que la vérité. Et notre vérité, c'est que ces gens n'ont rien fait pour nous. Raison pour laquelle, aujourd'hui, rien qu'à voir cette assistance avec sa composition plurielle, des mères de famille, des pères de famille, la jeunesse, ainsi que toutes les couches du quartier sont là. Et pour preuve, nous avons une décharge ici qui a été signée par les agents de la mairie qui nous avaient dit d'écrire une demande pour qu'on puisse étudier notre situation, chose que nous avons faite. Malheureusement, la situation reste dans les armoires de la mairie. Est-ce que ça c'est normal? Non. Donc, face à la normale, nous allons restaurer la situation et retrouver notre dignité. En faisant quoi? Nous allons lutter, nous allons combattre jusqu'à ce que l'injustice que nous avons subie depuis belle lurette soit réparée.